Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir comment mettre des sous-titres avec le Windows Media Player. Donc pour commencer, il vous suffit de taper dans la barre de recherche Gordian Knot et normalement voilà, Codec Pack. Donc ensuite, vous cliquez sur le premier lien. Et vous téléchargez ces codecs. Donc vous attendez un peu que le téléchargement se lance. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Donc on va l'installer. Donc là, vous allez tout décocher. Sauf le dernier. Le VS Filter. Voilà, c'est le codec qui concerne les sous-titres. Donc ça, vous le laissez cocher et vous installez. Donc moi, j'ai déjà installé. Donc vous, bien entendu, vous pouvez continuer en cliquant sur Install. Donc ça prend pas beaucoup de temps, une dizaine de secondes. Et ensuite, vous fermez. Donc maintenant, il vous faut un film. Donc un film en version originale, donc en anglais. Et les sous-titres en français, juste à côté. Donc le titre du film et des sous-titres doivent être identiques pour que ça fonctionne. Donc, je vais tout de suite vous montrer. Donc, on a effectivement, comme vous pouvez le voir, les sous-titres qui apparaissent en même temps que le son et la vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile, j'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.